Bonjour les Sakura, c'est Morgane et Boy et Max. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation de bar végétalienne, vegan. C'est la suite de l'exploration des goûts du calendrier de l'Avent qu'on avait ouvert dans une précédente vidéo sur la chaîne. Allons-y! Ouais! Qu'est-ce que t'as pris, Boy? Je ne sais pas. C'est qui? Kuro. C'est le nom de la marque. Hein? Là, t'as pris Bio Energy Ball. Et toi, papa? C'est un petit brownie. Vas-y, tu peux manger. C'est que avec des bons ingrédients. Non, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est un petit brownie, surtout avec des fruits. De la date et des noix. Là, on dirait un Ferrero sans l'enveloppe. Ferrero. Non. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait faire comme Ferrero, non? C'est vrai. Version vegan. C'est marrant qu'ils aient mis ça en... avec une espèce de coupe. Ouais, une petite coupelle. Ah, tu auras là. C'est d'énergie drôle, c'est ça. Ah bah c'est marrant, ouais, ouais. Je me disais, oh ils vont peut-être pas forcément aimer, oh cool, cette découverte de snack vegan. Il mélangeait avec le chocolat, non? Le tien, il doit y avoir du chocolat et du cacao, ouais. Oui, le cacao. Et des mangues dessus. Ouais, c'est ça. Il reste cool. T'as vu, mon frère aussi, il ne veut pas se salir les doigts. Oui, je vois ça. Même technique. Et alors, Max, qu'est-ce que tu veux goûter? Un brownie vegan. T'avais comme caramel. Ça ressemble. Oui, c'est vrai, ça peut le faire penser à... Hein. Normalement, ça doit être composition majoritairement de dattes. Dattes, beurre de cacahuète, flocon d'avoine. Ça fait un peu comme des barres chocolatées. Tout à fait. Mais en forme de boule. Oh, ouais. Dégustation de Max Craft. Il a pris quoi? Une barre? Une barre Kuro. Tu donnes le nom de la marque à chaque fois. Peanut. C'est ça. Peanut. C'est un beurre de cacahuète. Cacahuète, peanut. C'est comment? T'en as fait deux bouchées. C'est bon. C'est bon. Je vais goûter au cookie bio. Comment? Ah bah oui, carrément. Regarde, c'est un succès inespéré. Regarde, c'était celui-là qu'il devait prendre. Regarde. Ah bah. Ah bah il te l'a pris des mains. Il te l'a pris des mains. Incroyable. Comme ça. Il a fini d'en faire bon. Ah oui, carrément. C'était le seul cookie bio. Ouais. C'est bon. C'est bien qu'il apprécie parce que nous, on a fait une dégustation, on a fait. Tu prends. Ok. Et là, c'est un truc cacao. Bon, bah, gros bout de quoi. Energy Ball. Je crois qu'il y a des noix. Dégustation. Des amandes. Des noisettes. Là, c'est tous les fruits secs. Pendant qu'il y a la vidéo aussi d'unboxing. Il a tout gobé d'un coup. Instantané, incroyable. Incroyable. Ça t'a vidé, elle a envie de la tuer sur la joue. Bah oui, parce qu'il y a une boule. Bah alors, on est côté capoté dans les mots. Bah oui. Tu vois, ça donne envie d'appuyer. Ah oui. Je pense que ça, c'est meilleur que les bars. Ouais, c'est bon, les bars. C'est bon. Mais que fait-il avec l'eau? Je peux plus manger. Ça donne envie d'appuyer sur sa joue. Tu vois, il y a une boule. On voit la boule. Attends, on va essayer d'appuyer sur la petite boule. Mais tu sais. Toto. C'était là. C'est bon. Merci. Et en fait, toutes les barres sont différentes. Il n'y a pas une seule barre identique. Ça me rappelle un peu les barres. On a aussi les barres cacahuètes asiatiques. Ah. Ça fait un peu ça. C'est vrai. Sauf que là, il y a plus de variété, il y a un mélange de noix, noisettes. Oui, alors c'est vrai. C'était que des cacahuètes. Et du chocolat. Ça fait la même chose.
C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pas fait le rapprochement. C'est bon. Et on a bien fait de tout amener, en fait. C'est écrit quoi, là? Je sais pas. Chocolade. Coro. C'est un chocolat. C'est écrit Coro. Alors, au final, qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces snacks vegan? On a trouvé, c'était très bon. C'était très bon? Et pas trop salé. Pas c'est trop sucré plutôt. Bien équilibré. Et toi, Max Kraft, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est bon, sauf les Energy Balls. C'est trop compact pour toi, c'est ça? T'as besoin de boire? Hein. C'est trop sec. Les... Ouais, d'accord, c'est effectivement... Et là, je peux plus rien manger, je crois. Mais ça t'a donné un supplément d'énergie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Découverte du maïs grillé. Alors? Oh, bah c'est les graines de maïs. T'en montres? Ah, oui. Sors-en, hein, mon chant. Est-ce que c'est bon? Normalement, c'est pas beaucoup gros, les graines de maïs. Je sais pas. C'est deux fois plus petit. Ça, ça a l'air croquant comme une cacahuète. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus c'est quoi le nom. C'est-à-dire? Ah, bon. Ça te rappelle quoi, la cacahuète? Quoi donc, autre chose? Je sais plus. Ouais. C'est salé? Normal. C'est salé. Alors? Tu veux dire à dire? Je sais pas quoi en penser. Ah bah. Morgane, tu voudrais pas goûter pour qu'on j'aime sache? Pas trop le maïs. Hein. Pas grave. T'auras un biais. Morgane, tu fais le non, 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 je veux pas. Tu fais le bébé là. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait, tonton Morgane? Oui, tu veux le verser Morgane, dans une coupelle? Ah bon? Non, dans sa capuche. Dans sa capuche. Obligé de manger. Mais ouais, je suis coincé. Il est vraiment parti là. Morgane, qu'est-ce que tu fais? Un iPhone. Il y a Morgane qui est en soupe. Ouais, tu filmes. Morgane sous la table. Là, là, là c'est la bêtise. La plus de bêtise en plus. Hey. Non, le poireau maudit. Oui. C'est le poireau porte-bonheur du nouvel an, le fameux que je t'ai dit que c'était impossible à mâcher. Oh, ça. Oh, mamie a goûté le maïs grillé. C'est comment? J'ai l'impression d'avoir déjà mangé un truc. C'est bon? Oh, mamie a dit que c'était bon. C'est bon pour elle. Mais c'est quoi? C'est pour elle. Il y a un truc qui a le même goût. C'était ma. Mais quoi donc? Mais c'est là. Max. Oui. C'est bon pour la santé au nouvel an chinois. Ouais, je sais. Oh, toi, souper. Mamie Paul, ton équipe là, c'est pour bonheur, c'est quand tu travailles école mathématique bien. C'est parfait pour toi. Tu fais de la trigonométrie en c'est le nouvel an, après, il faut manger ça. Tiens. Pour la vidéo. Oh, oh. Pour la vidéo. Mamie Paul. Vas-y, pour la vidéo. J'ai pas faim. Comme je peux plus manger. Sinon, c'est deux. Non. Allez. Oh. Après. Non. Dans 10 minutes. Quand mamie donne sa pokona. Allez, vite, vite. Allez, vite, vite. Ah. Oh, il est gentil. Tu vois? Ça? Qu'il n'a pas eu un doudou qui est bien là, car il y a un nom qui est bien là, car il y a un nom qui est bien là. Il aime bien dire ça. J'ai jamais aimé manger ça. Allez, bannis tout le monde. Oh! Bah merci. Alors, avec des baguettes aussi. Non, je sais. C'est pour les mathématiques, bien. Non, ça c'est le fait le chinois, il faut manger ça. Ça. Donc tu vas leur donner à tout le monde là. Normalement, tu vas donner à tout le monde. Jour allez, mamie. Ouais. Et tonton Morgane aussi. La tour, non, mamie. Mais non, mais pour ouais, faut. Regardez, mamie là. Il faut une bouchée. Faut pas y donner à tonton Morgane. Pour. Mais non. Mathématiques bien. Mamie, elle sera intelligente du coup grâce à ça. Grâce à ça. Elle mange plusieurs bouchées. Tu seras bon en mathématiques. Morgane. Eh, hey, c'est passé ça. Faut comme ça. Encore. C'est bon, hein, ça va. Encore. Il en faut encore deux. Alors. C'est bon. Tu vois comme c'est dur à mâcher. Non, c'est super dur. Alors, Morgane, c'est bon?
C'est dur à mâcher. Mais non, il faut que tu dises oui, c'est bon. Et mamie, elle fait ah bon. Non. Hey, pour le retrouver, pour que mon rêve il mange et après il dit c'est bon. Allez, on y va. On remet. Oh non. Et on revient de bébé. Allez. Oh, allez. Allez. C'est bon. C'est bon. Mmh. Ah bon? Sinon celui-là c'est encore mieux. Il y a encore des baguettes, c'est pas fini. Quand tu es petite là, le matin là, mamie elle a cours à nous, elle a fait qu'il me trouve. Non, ça m'a traumatisé. J'arrive pas à mâcher. C'est parce qu'il faut pas mâcher. Faut mâcher un peu et après faut avaler. Merci. On te voit bien mâcher à travers le masque. Merci. Et donc c'est la raw bar. Ouverture avec les dents. Bon, en fait c'est pas étonnant. T'as bon? C'est bon. Une noix noisette. C'est pas noisette, c'est je sais pas quoi. C'est des noix. Oh, mamie aussi goûte la raw bar. Ah bon? C'est bon? Là, ton mis ça comme. Ah, tu préfères la raw bar? Ah, comme quoi? Oh! Oh, boy, qu'est-ce que t'as goûté? Une autre barre? Du chocolat. Une barre au chocolat. Ah, c'est vrai, celle-ci, elle a l'air bien chocolatée. C'est la barre à protéinée. Protéine bar. Et finalement, boy, t'aimes bien les barres vegan? Ouais. C'est très bon. Ah bon? Le nouveau running guy. On espère que cette vidéo de dégustation de bars et de produits végétaliens vous a plu. Mettez un like et abonnez-vous. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys. Bye bye. Bye bye.